culturelair.tv, nous sommes en plein dans l'événement, dans l'artistique, dans la musicalité de notre région et on accueille un groupe mythique, je dirais même la légende vocale de la vallée de Tann depuis 50 ans ou plus, ou presque plus. Ils œuvrent pour notre culture générale, pour la chanson française dans son ensemble. Il s'agit des Max et pour en parler, Frédéric Stroda, le président, bonjour. Bonjour. Accompagné d'un des fondateurs du groupe qui est aujourd'hui encore œuvre pour les petits chanteurs, Jean-Pierre Janton. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour parler de votre ensemble et pour la partition, pour diriger cette partition musicale, Sylvain Schreiner, salut. Salut Pascal, bah t'es à fond. Donc on est prêt à donner le max. On met l'ambiance parce qu'ils ont l'habitude de le faire. Ça je pense qu'effectivement ils maîtrisent bien. Alors, on parlait de 50 ans d'histoire, ça fait déjà 50 ans que vous préparez des spectacles et que vous chantez, c'est ça? Effectivement, ça fait 50 ans. L'association, le premier spectacle des Max, c'était en 1964. Donc ça fait un peu plus de 50 ans. Et puis donc cette année, nous allons fêter le 50e anniversaire de l'association. Il y a 50 ans, ça n'est comment cette histoire? Jean-Pierre, le fondateur. Alors, je sens qu'il y a une histoire secrète là-dessous. Là. Je veux dire, je crois que l'histoire se refait aussi un petit peu par rapport à ce que je constate là. Nous étions tous petits chanteurs de Tann. Et puis, vers 15-16 ans, on avait envie de faire un peu autre chose, un peu de variété, comme on disait. Et puis, du coup, on a créé ce groupe. Alors, c'était deux guitares. Et puis voilà. Ça a commencé tout petit, quoi. Vous étiez combien pour les membres fondateurs? Au départ, on était quatre. Ensuite, ouais. L'année suivante, on était un cinquième. Et puis après, ça a pris de l'ampleur. On a rajouté de la sonorisation, des techniciens, etc. Très vite, ça grandit. Et vous êtes combien de membres aujourd'hui dans ce groupe? Aujourd'hui, on est 15, 6 du côté chant, 5 du côté instrumental, et le reste du côté technique. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi l'esprit des Max? L'esprit Max, comment est-ce qu'on pourrait le définir? C'est une très grande famille. C'est une très grande famille et après c'est comme dans chaque famille, il y a des gens qui à un moment donné quittent la famille ou qui sont obligés de partir, il y en a d'autres qui effectivement le sort est déjà tracé, mais il y en a d'autres qui reviennent et aujourd'hui il y a même les enfants de chanteurs aujourd'hui qui sont sur scène, qui arrivent, qui sont sur scène. Le dénominateur commun, j'ai envie de dire, c'est la qualité musicale quand même, avant tout, parce que les gens allaient pour ça. Voir les Max, c'était le synonyme de la qualité, du spectacle, de la précision vocale. C'est-à-dire, oui, qu'on a eu quand même, comme on a eu la formation vocale au sein des petits chanteurs, donc c'est ce qui nous a permis de garder toujours un niveau, que je permets de dire d'un bon niveau, quoi. Alors pour se mettre un peu dans la couleur du groupe, je propose de voir un petit florilège de ce que savent faire les Max et comment ils mettent l'ambiance dans une salle. Les images proviennent de Bitulaire, c'était un concert humanitaire de l'année dernière. Exactement. Voilà, même dans une salle réduite, on arrive à mettre le feu, on regarde ça. Allez, à fond. Thank you.
vidéo en couleur très colorée, j'ai envie de dire. Est-ce que la polyvalence qu'on voit a toujours été votre signature? Oui, toujours. C'est-à-dire polyvalence en termes de musicale. Donc au niveau des instrumentistes comme au niveau des vocaux. Certains vocaux jouent aussi d'un instrument quand il le faut. Bon, là, on n'a pas vu. Mais bon, c'est vrai qu'on touche un petit peu à tout. Ouais. Et alors, c'est des déguisements et c'est très haut en couleur. Hein. Oui. Ouais. Vous n'hésitez pas, en fait, à... Moi, j'allais dire, c'est un vrai show. C'est un vrai show que vous proposez. En fait, ce n'est pas juste des chants. On est bien dans, effectivement, dans les costumes. Voilà, là, le public participe énormément. Ça se construit comment, tout ce programme? Ça naît comment, ce fil conducteur? On met à peu près 2-3 ans à monter quelque chose comme ça. Parce que, bon, il y a le côté... musical, bien sûr, il y a les arrangements vocaux à faire, les arrangements musicaux, la mise en scène à faire, les costumes à trouver. Puis ils vont mettre tout ça ensemble, la technique, l'éclairage, le son, voilà. Donc on met toujours à peu près 2-3 ans. Voilà. Et alors ça dure à peu près sur 5 ans. On tourne à peu près 5 ans en renouvelant au fur et à mesure pendant les saisons. Ah, j'ai une petite question. On remarque qu'il n'y a pas de femmes avec vous sur scène. Je ne sais pas si c'est une signature voulue, mais bon. Ça émane des petits chanteurs qui, eux, sont... Oui, oui. Voilà, c'est pour rester dans cette logique. Maintenant, il me semble que les frelots, il n'y a pas de femmes non plus. Il n'y a pas de mindset. Vous pourrez leur poser. Je me suis amusé à faire un petit pointage l'autre jour pour savoir le nombre de personnes qui étaient passées en 50 années d'existence des Max. Il y a eu 44 membres actifs en 50 ans. Quelle performance! C'est une très bonne performance. Oui, oui. Et aujourd'hui, donc, ça rajeunit. Bien sûr, le fait de rajeunir peut éventuellement, on a un peu plus de difficultés pour rassembler tout le monde, parce que quand on dit jeune, on dit encore actif dans la vie professionnelle. D'accord. Et comme tout le monde a un peu son travail, il y a des gens qui de chez nous qui travaillent en dehors de la région Alsace. Donc, pour les répétitions, C'est problématique. Je voudrais dire par là que les Max, c'est pas vieillot. Non, c'est pas vieillot. On n'a pas trop de retraités. On n'en a que deux, finalement. Et puis la renommée n'est plus à faire, puisque Max est synonyme de remplir la salle aussi. Hein. Oui. Ouais, oui. Ça, c'est. Tous vos concerts sont un succès, en fait. Oui. On a un avantage, on est indépendant complètement, c'est-à-dire qu'on a notre propre équipe technique, on a notre propre matériel, notre propre éclairage, notre camion. Il nous manque à chaque fois le public et la scène pour nous produire. Et au niveau matériel, c'est pas peu dire, hein. Il y a c'est du matos. 3,5 tonnes. Mmh. 3 tonnes 5. Donc, moi, j'ai envie de dire, pour vos 50 ans là, que vous fêtez, cette année, en réalité, c'est en 2014, mais vous êtes dans votre 50e année d'existence. Qu'est-ce que vous allez nous proposer de particulier cette année? Il y a des choses qui sont un petit peu déjà... Dans les besaces. Il y a déjà des choses dans les tuyaux, oui, même c'est pas mal avancé. Donc on a surtout axé sur de la chanson française avant tout. Et puis on a entre autres préparé un medley de chansons françaises, des régions françaises, y compris l'Alsace, bien sûr. Donc nous avons des airs du nord au sud, d'est en ouest, même en sud-ouest. Ensuite, on a un extrait de comédie musicale. On a également un medley qui tourne autour des prénoms. Mm-hmm. Donc, des chansons comme Lily ou Cécile ou Madeleine. Ou, voilà. Mm-hmm. Et puis, à côté de ça, donc des chansons qu'on reprend de Benabar ou de Jean Toussaint, Fuga, etc. Donc là, vous êtes en plein cours de préparation d'un spectacle qui aura lieu donc cette année, en 2015. Cette année, oui. Voilà, pour l'instant, la date est encore tenue secrète, de ce que j'ai pu comprendre. Oui, oui, oui. Ouais. Parce que bon, on a, disons, comme Frédéric le disait tout à l'heure, la difficulté maintenant, c'est que les gens travaillent, pas comme moi. Enfin, moi, je travaille, je suis bon. Tu travailles. Je travaille. Mais disons que les gens sont beaucoup plus mobilisés et mobiles, alors que... Il y a 40 ans, nous habitions tous Stan, on rentrait le soir à 6 heures à la maison, c'était plus facile. Maintenant, on a des gens qui travaillent du côté de Paris, du côté d'Orléans, du côté de Lyon, ce qui fait que ça nous demande un peu plus de temps au niveau des répétitions. C'est pour ça qu'on ne va pas... Mais ça se fera cette année, de toute façon, 2015, dans le 50e. Comment pourra-t-on réserver alors? Ce sera peut-être au relais, c'est ça, au relais culturel de Tannes. Ah oui. Mais je pense qu'on passera d'abord
travers vos studios. On viendra vous présenter d'accord, et par voie de presse. Mais de toute façon, les soirées de gala se dérouleront au Relais Culturel à Tannes. C'est clair. Au moins la première, hein, les premières. Après, ça. Il faut savoir que nous avons fait le plein pour notre 45e anniversaire. On a fait le plein 4 fois de suite. Donc, de ce côté-là, on est très confiants. Succès indiscutable. Alors, juste petite question vocale. Jean-Pierre, vous êtes la base du groupe, je crois. Oui. Est-ce que ce sont les voix les plus difficiles à trouver pour former un groupe vocal? Les basses? Bon, pour nous, c'est pas un problème, puisque c'est moi qui ai la voix de basse. Je trouve que ces voix sont plutôt rares, en général. Les basses graves, oui, je pense. Ouais. Je pense que c'est peut-être un peu difficile. Mmh. De même que trouver aussi un ténor qui... Là, je m'adresse aussi au Frelot. Hein, un ténor qui... Un beau ténor, c'est rare aussi. Mmh. Parce que souvent, ça coince en haut, ça va trop haut, et puis ça... C'est pas beau. Donc, je dirais même les deux extrêmes sont parfois difficiles à trouver. Et nous avons cette chance d'avoir ça. Je ne parle pas pour moi maintenant. Cette tessiture complète de qui donne la couleur des max. Ouais. On a quand même les quatre pupitres, si je puis dire, puisqu'on chante tout le temps en polyphonie. Ouais, c'est ça. Mmh. Très agréable. Un dernier mot, Frédéric? Non. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? C'était le dernier mot. c'était presque le dernier mot, effectivement. Ben, on vous remercie de nous avoir invités. Hein, oui. Et rendez-vous à prochaine émission. Rendez-vous surtout au public pour votre gala, pour se dérider un peu dans cette morosité ambiante. Alors, de la bonne humeur, des sourires, de la couleur et de la qualité musicale avec les Max qu'on applaudit. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Rendez-vous très prochainement et dans quelques instants, la suite de notre programme. Merci. Bienvenue chez votre boucher charcutier traiteur Kuhner, situé dans la commune alsacienne de Mosches, sur les rives de la Thur. À 2 pas du centre village, le point de vente entièrement modernisé accueille avec sourire la nombreuse clientèle séduite par les produits de qualité et le savoir-faire traditionnel transmis depuis 5 générations. La boucherie Kuhner s'engage sur la qualité par la sélection de producteurs régionaux garantissant chacun la production de viande issue d'élevage en plein air et le nourrissage naturel. Les circuits courts garantissent au maximum la fraîcheur d'une production saine et mesurée. Le service traiteur suggère chaque jour un plat chaud à emporter. Le magasin propose par ailleurs de nombreux articles d'épicerie très appréciés, ainsi qu'un service de dépôt de pain. La rôtisserie comble le samedi les amateurs de volailles fermières dorées à souhait. Mangez mieux en invitant le naturel dans votre assiette commence chez votre boucher charcutier traiteur Kuhner et son équipe professionnelle. Bon appétit !